month. You give me this soul, but you didn't want it, 'cause you wanna feel again. Tout lâché et c'est passé. Je suis vraiment content d'accrocher Lyon à mon palmarès. C'est une course qui me tenait à cœur. Et c'est pas fini, elle prend pas cet après-midi. Bah, je suis super content, j'ai enfin gagné Lyon. À chaque fois je passais à côté, à chaque fois pas loin, 2-3 erreurs, et puis là cette année ça l'a fait. Et je suis vraiment content, c'est une course qui me tenait à cœur et m'imposer ici cette année, c'était un de mes objectifs de la saison. Ça va un peu mieux ce matin avec la boue et l'humidité, vu qu'il a plu hier soir, j'étais pas trop à l'aise au premier tour d'essai, et là ça va de mieux en mieux. Salut, c'est Yannick Granieri du Team Ayton Giant. Voilà, donc là on est au FIS Montpellier pour le contest du Slopestyle 2009. Comme vous pouvez constater un peu cette année, ils ont fait vraiment un gros parcours, Pierre-Edouard Ferry et toute l'équipe de Lyon là, ont fait vraiment un gros parcours super engagé avec un méga drop de départ, un gros step-up, après on a un quarter, un super volcano, un énorme step-down, un wall, on était sur un step-up, après ça finit sur une grosse bosse de dirt. Donc voilà, je pense que ça va bien envoyer, et puis écoutez, bah, je vous dis à tout à l'heure. J'ai fait tout ce que je voulais faire, c'est envoyer sévère. Et donc en fait là on attend juste les résultats, donc méga suspense bien sûr, parce que tout le monde a envoyé vénère. Donc voilà, on est à Maribor pour la cinquième manche de la Coupe du Monde. Là je vais attaquer un de mes derniers runs de la séance du vendredi. Une piste particulièrement rapide et poussiéreuse, et qui est quand même dangereuse. C'est vraiment un bloc d'en haut jusqu'en bas avec beaucoup de difficultés, des racines, un pierrier où il y a un peu deux trajectoires et qui est très très dangereux. Mais dans l'ensemble on se fait plaisir et demain la qualif et dimanche on espère une bonne course.
Plaisir, mais bon, c'était une course où il a fait sec vendredi, je roulais super, mais là, avec les meds, pas trop l'habitude de rouler avec ses pneus, alors c'est bien, je suis contente, j'ai fait meilleur que je pouvais.